ancienne. Quand on la voit, on sait que c'est la porte. C'est ton image. C'est ce que tu es. Ridiculous. C'est tout ce que tu es. Tu ne seras jamais heureuse dans ta vie, Ayarbé. Tu ne seras jamais heureuse de toute ta vie de misérable. C'est-à-dire que ta vie va aller de pire en mal, de mal en pire, de misère en misère. C'est ce que tu es né pour vivre la misère à longueur de journée. La misère. C'est-à-dire que ton âme respire la misère. Ton âme respire la misère. Tu es une fille misérable. Aya Robert égale à misérable. Tu apportes tous les dictionnaires, tu me fais sortir misérable. Voilà photo de la Poutine la plus ratée de la Terre. Toi, si Vladimir Poutine, c'est que tu as mis son nom sur toi, là. Tu n'as pas couleur ta vie. Tu n'as pas courant ta vie, imbécile, la baiseuse de croyant en vous. La baiseuse de croyant en vous. Chienne, elle est plus croyant en vous. Ce sont des lesbiennes, elle se lape, elle est plus assez fait croyant en vous. Aya Robert plus croyant en vous là. C'est comme oublier sa camarade lesbienne. C'est ça, vous les voyez là. C'est ça, vous les voyez, elles sont dedans. Baouin, baouin, elles prennent des baouins sans des garçons pour taper dans les bobos doumans. Quand il n'y a pas de garçon pour taper dans les bobos doumans là, elles sont chargées, va, va là, elles c'est va, va. Parce qu'elles même. Vous qui dites que c'est buzz, cherche à pas me donner l'heure là-haut. Hein? C'est quel buzz Aya peut me donner? C'est ce qui me veut que tu veux que vous me répondez. Comme un bel imbécile, comme croyant, un chien comme ça. Un gars qui peut rien créer. Une familette. Un chien. Et aussi, vous parlez d'envie des gens. Il n'a pas raté votre poutine de merde. Parce que votre poutine, c'est de la bassesse. Donc, je vais descendre un peu dans son niveau. Je vais descendre dans la boue avec elle. Je vais descendre dans la boue avec votre poutine de pacotille. Et pour qu'elle descende dans la boue, elle là, je vais ressortir comme une pierre précieuse. Parce que les pierres les plus précieuses se retrouvent dans la boue. Elle dit, elle descend jamais dans la boue. Moi, elle descend dans la boue pour lui montrer que dans la boue là, on fait sortir pierre précieuse dedans. La fille sans éducation, la ratée de sa famille, la plus maudite, celle qui n'a ni soeur, tu n'as ni père ni mère. Tu n'as ni père ni mère. Tu n'as ni soeur ni frère. Tu es seule. Tu es comme si. Ah, Robert, au fait, ah, Robert, c'est cimetière. C'est une fille qui est vide. C'est pas cimetière, hein? Une fille qui est vide. Son âme est vide. C'est pas cimetière qu'elle a là. Hein? Ah, Robert, c'est pas cimetière. Moi, j'ai dit aux sept donateurs, les baouins que vous lui donnez là, elle fait quoi, les baouins là? Ah, Robert, fait quoi de ces baouins? Parce qu'elle s'habille pas. Elle n'est pas dans une bonne maison. Elle n'a rien. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a rien. Donc, c'est Ah, Robert. Moi, je traite les vrais sujets. Les mères et les pères des familles. Les personnes importantes de ce pays-là. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas blogueur. Vous game de blogueur là. De là, là, quelqu'un t'appelle, tu fais capture. Sinon, monsieur, ma chérie, nous, là, les personnalités, nous contactons un chéri. Ah, mon fils, c'est bien. Tu as parlé d'un bon sujet. Tu as parlé de. C'est ça. C'est ça, nous, on sait. Mais elle, c'est là-bas. La chose, elle, c'est là-bas. À demander, à quémander. Une quémandeuse. Elle a vendu con jusqu'à même à 1 euro, ça ne marche plus. Donc elle quémande maintenant. Et puis elle a bien fait sa stratégie. Elle sait que si elle venait en tant que Aya Robert la maudite, Aya Robert la salope, Aya Robert la mal éduquée, elle n'allait pas avoir Baouin. Donc là, dès qu'elle a vu que TikTok a l'histoire de Baouin, maintenant, bim! Elle allait se faire c'était payer un clochard. Parce qu'elle sait que les gens, et surtout les Ivoiriens, sont bienveillants. Envers les enfants, elle a eu. Elle a dit que elle, son game n'a pas de limite. Elle a utilisé l'enfant là-même pour se faire une place au soleil. Elle a tout bas qu'on te donne, c'est à cause de qui on donne. C'est à cause de qui on te donne, tout bas qu'on te donne. C'est à cause de kilos. C'est à cause de kilos. Parce que les gens savent que tu ne travailles pas. Ils savent que tu n'as pas de mari. C'est sérieusement. Tout le monde sait que tu n'as pas marié, Aya Robert. Hein? Tu t'es dit quoi, envoyer les. Même tes détracteurs, d'autres te laissent baron, tu ne sais pas. Les gens viennent, ils te donnent baron. À côté de l'enfant, l'enfant fait pitié, l'enfant crie à côté, il n'a pas de jouets, il n'a pas de cadeaux. On n'a jamais vu la chambre des kilos. Les gens qui décochent, tu dis que tu es une star. Faut montrer la chambre de ton enfant, on voit. Les stars là, tu vois pas. Tu vois pas les enfants, les stars. Hein? C'est à cause de l'enfant là, que les gens viennent te donner cadeaux. Et puis elle a fait cette manipulation, elle a fait exprès pour faire cet enfant là.
Elle est partie, elle a vu un clochard qui est couché, cabachard qui est couché quelque part là-bas. Elle est partie, elle est éclatée. Tu sais que là, les junkies de Saint-Denis là, eux ils sont foutus. Les junkies là, ils ont une deuxième odeur. Elle est partie livrer odeur là, là-bas. Le junkie là, bien sourd dans elle. Bim, elle a utilisé l'enfant là maintenant. Kilo. Matin, midi, soir, Kilo, la seule qui a fait enfant. Kilo. Kilo, 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 Kilo. Kilo. Kilo est où? Ouh, je vais mettre la chanson d'abord parce que it's too much. C'est trop. Je dis que si Wakatolog répond un jour, c'est que les murs ont répondu, c'est que les poules ont les dents, c'est que les serpents ont des pieds. Pour marcher dans la rue, je dis que les hommes répondent aux hommes. Les femmes répondent. Attendez, je vais mettre. Attendez d'abord parce que c'est trop. Il me faut. J'ai envie de. Les hommes répondent aux hommes. Les femmes répondent aux femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun n'a qu'à connaître sa place. Un homme répond au. Hey! Hey! C'est Dieu! C'est pas les marabouts, 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 c'est Dieu. Quand on est découragé, on t'a pincé dans les couettes partout. Boum, 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 boum. Tu peux pas répondre, tu dis que non, moi c'est les femmes que je reprends. Sinon, voici la position. Quand on finit de te baboubou, tu es assis maintenant. Non. La position de ça, position, oh, attendez, la chanson de position là, c'est Frank English qui chante. On va mettre un peu de douceur, on va mettre... Est-ce qu'on peut regarder un peu, on réfléchit si ça va répondre, on va réfléchir un peu aussi. Yeah. On réfléchit, on attend, position. C'est la position. Tu connais la zone, quand si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Tu connais quand c'est présent. Allez, voilà! Je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever, toi. Ma femme, on est au niveau. Ok! J'ai pas les blèmes. Quand on est chic, quand on est une femme classe, comme les pieds de cette jeune femme que vous voyez, on ne peut pas se fâcher. Lui a pris le temps pour nous créer, quoi, en fait. Ma femme, on est au niveau. J'aime pas les blèmes, bro. Je réfléchis. J'y pense, j'y pense. Je réfléchis. Les pieds que je mets, on peut pas dire que je prends sur Google. Tout se ressemble. Je peux couper au moins 1000 photos et les jambes vont toujours se ressembler. Waouh! C'est de ça qu'il s'agit. Non, je suis pas métisse, Yasmine. Je suis pas métisse. Je suis du Mandingue. Hein? J'ai ma grand-mère qui est Peul du Wassoulou. Hein? Mais je suis pas métisse. C'est vrai que ma grand-mère a les cheveux bouclés et tout parce qu'elle est Peul du Wassoulou et tout. Ma mère aussi. Mais malheureusement, moi, j'ai pas eu les cheveux bouclés. J'ai les cheveux crépus, très très longs, mais crépus. J'ai pas eu la chance d'avoir. Ah non, c'est pas ça. Aïe, c'est ce que j'avais fait, mais c'est un rapproché. Attendez, je vais mettre l'affiche d'aujourd'hui. What's going on? Hold on. Don't say nothing. I'm gonna put some music if you wanna see some. D'aujourd'hui, voilà, c'est ça l'affiche d'aujourd'hui. La joie de vivre à la Wakatolog TV, comme je l'ai toujours dit. En fait, le direct là n'est pas fini, mais on a écouté assez.
Sinon, s'il y a encore deux parties de 7 minutes et de 5 minutes, c'est beaucoup. Mais quand même, on a écouté l'essentiel. Hein, c'est what's going on? Hold on. Let me put some music so you can talk to me. Hold on. Let me put something. On va mettre quelque chose. Je vais parler à coup de deux. Now you know que tu dois aller répondre. Laisse les femmes, vont jamais te répondre. Now you know, c'est la chanson pour ça. Je retourne un peu. Now you know, contact clashé là-bas. A tchiki tchiki le le le. You know. Vous êtes bien sûr sur la voix Catalogue TV, comme je le dis toujours, la seule télé qui existe sur TikTok. La télé qui donne la joie de vivre, la télé qui reçoit bien ses invités, que ce soit, je le répète, tapoteur, partageur, commentateur, invité qui monte pour s'exprimer, la télé qui met tout le monde au même pied d'égalité, sans distinction, la télé qui respecte tout le monde et met tout le monde à l'aise. Une seule adresse, ça s'appelle la Wakatolog TV. Ça chauffe pas. La joie de vivre, maintenant, on peut parler de très bonnes choses. Hey, Abdoul, tu es là. Abdoul qui a dansé, Abdoul, je sais pas, Abdoul qui a dansé, c'était quand? C'était le dimanche. Abdoul, tu t'es hit? Abdoul, tu aimes caméra aussi des What's going on? Abdoul. Oui, je vais bien faire la grâce de Dieu. Oui, qu'est-ce que tu as raconté de bon aujourd'hui? Là, moi, je suis là et j'ai besoin d'une bonne femme, là. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin d'une bonne femme. Une bonne femme? Oh! Aïe, le piment même. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce sont les... comment on appelle? Mais le nom. Les escargots, c'est ça? Voilà. Ce sont les escargots avec le piment, c'est ça? Oui. Ah, avec le poisson. Mmh. Non, Mariam, c'est pas mushroom, ce sont des escargots qui mangent avec le poisson. Amen, avec le piment. Ah, donc tu dis que tu veux une bonne femme. Tu n'as pas de copine, Abdoul? Non, je suis célibataire. Tu es célibataire. Si ça te dérange pas, si ça te dérange, tu me dis, tu dis pas. Mais si ça te dérange pas, tu as quel âge? 28 ans. 28 ans? Ben oui, t'es jeune. Ok. Donc, tu cherches une femme de entre quel âge et quel âge? 28 à 35. Aïe! Abdoul Day, 28 à 35. Donc, toi, tu as 28 ans, mais tu veux une femme de 28 à 35. Ah, donc, tu veux pas une femme qui a 25 ans, qui a 26. Tu veux d'expérience. Voilà. Oh. Bonsoir. Voilà, ça va, tout le monde. Ça va vite avancer les choses. Bonsoir, c'est mon combat. Moi, j'ai trouvé quelqu'un pour lui. Ah, elle m'a combattu. J'ai trouvé un profil. Tu t'amuses ou c'est vrai? Notre Josie. Toi aussi. Aïe! Mais Josie t'a dit qu'elle est célibataire. Est-ce que tu n'arrives pas à demander la voiture si Josie est célibataire? Et... Josie est célibataire. Waka? Je ne sais pas si Josie est célibataire. Hein? Waka? Même si elle est célibataire, faut aussi. Bonsoir. Je t'ai dit bonsoir tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Ah, mais donc il y avait la musique. C'est quand il y avait la musique? Oui. Non, je n'entendais pas ma belle. Comment va-t-on? La musique, c'est fort. Surtout on dit que ma chérie, tu vas bien? Je vais très bien, merci par la grâce. Oui, un autre jour. M'a manqué, hein? Ah bon, hein? Oh, ouais, depuis hier. Ça mérite un cœur pour toi. Ça mérite un cœur même, parce que c'est pas franchement. Merci, ma chérie. Ça va. Il y a quelques personnes qui passent sur ce panel. Quand je suis pas en live, j'ai envie de lancer le live pour discuter, causer avec les gens et tout. Dans la bonne humeur. Ouais. Ouais. C'est ça, j'aime le plus chez toi, en fait. Tu aimes pas chez moi, Abdou? Tu as toujours de la bonne humeur. N'est-ce pas? Ah. Ouais. C'est important. En tout cas, les femmes. Passe-moi un peu de la soirée. Tapotez le prêtre, s'il vous plaît. Tapotez pour sécuriser les gens. Panel de Waka, comment vas-tu? En tout cas, panel de Waka, franchement, il est devenu accro comme nous. Exact. Tu as tout dit.
Mais souvent j'ai une insomnie. Abdoul est célibataire, il a 28 ans. Hein? Il pense une relation sérieuse. Mais il est au Bénin. Il est au Bénin. Oui, il est au Bénin. Il cherche une chérie de 28, entre 28 et 35 ans. Voilà. C'est pas juste pour une vie. Il y a quelqu'un qui demande mon métier là. Bon, pour le métier, c'est pas une obligation que tu le dises, hein, si tu te sens à l'aise pour le dire. Non, ça me dérange pas. Je suis frigoriste et coach sportif. Et comment ça? Sportif, c'est pour cela que tu faisais danser ta poitrine l'autre jour là, quand on a fait une compétition de danse là. Exact. Et au Bénin qui hein? Ça c'est une de mes tisanes. Ça c'est. Où tu vas? Oui, ça c'est contre l'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, hémorroïdes. Ok. L'érection faible et puis le sperme quand c'est pas consistant aussi. Ashley demande, tu fais ça à combien? Oui, qu'est-ce que tu bois là? Je bois la tisane. La tisane? Ah, ok. Parce que non. Il y a aussi sa crème. La crème, c'est pour toute personne qui aime mieux rallonger sa bite et lui donner un peu plus de taille et de grosseur. Il y a aussi une poudre. Bon, c'est tout un traitement, en fait. Si la personne veut augmenter la taille de sa bite. Parlez à côté. Tu as dit le prix de ce que tu vends. T'as combien? Le kit au complet, ça comprend une tisane, une poudre et une crème. Quoi? Tu vends un kit? C'est la poudre, ça. Le traitement... Oui. Le traitement se fait avec la tisane et la poudre. Et puis, j'ai des clients un peu partout dans le monde, en France, au Canada, et 14 jours, 2 semaines, avant de commencer par utiliser la crème. Là, on a un très bon résultat, et ça reste pour toujours. Je livre partout, pas DHL, mais quand c'est en Afrique, j'envoie souvent par voie terrestre. Ou bien je confie le colis à l'aéroport et puis on livre la personne une fois là-bas. Et j'ai aussi de bonnes choses pour les femmes aussi. Attendez. Oh, tenez. Ashley. C'est 28 cm en érection. Ashley a demandé quoi? Ashley, attends, je vais remonter. Abdoul, est-ce que c'est vrai ça? Ashley a demandé quoi? Oui, Ashley. C'est pas une blague. Hein, comment? C'est pas une blague, je ne blague pas avec ça. Oh. 28 cm. Oh, ouais. Donc, c'est ce que Ashley a demandé. Combien tu vas parier, on va mesurer. Sur les 200 euros. Abdoul, comment la personne va faire Coucou Fatou. Comment la personne va faire pour voir, pour comprendre, pour connaître que oui, c'est ce que c'est facile, c'est facile, c'est facile. Donc, tu vas vers la caméra avec cette personne en catimini, à part, quelque part. FaceTime, voilà. Avec FaceTime. Ashley, c'est pas mieux, on t'envoie en mission, Ashley. Oui. Ashley, j'ai répondu à ta question. Fatou. Comment vas-tu, Fatou? J'espère que tu vas bien. Ma Fatou. Abdoul Dem, calme. Tiens. Ma chérie. Non, Ashley, c'est toi, on va amener en mission. Hein. Pourquoi tu dis que tu es mineur?
Bois, 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 le seul costaud qui nous reste. Le seul costaud de la Wakatolog TV. Amina ne pose pas cette question, mais dis donc. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bois, comment vas-tu? Bonsoir, Bois. Bonsoir, monsieur Bois. Bonsoir, Bois. Donc, Wakao, il veut dire que... Il t'a lâché, je crois, dit 28 cm. Il a fait nous faire quelque chose ici, hein. Faut te calmer, Abdoul. Hein? Abdoul, attends, 28 cm, mon combat. Attends, Dieu vient de me faire encore. Ah, tu es toi aussi. Faut laisser, attends. Dieu dit au Wakao, il veut dire que... Il veut dire que pour lui, est plus costaud que pour... Le gars, là, qui est en Californie, là. Comment il s'appelle? Terrain, là. Attendez, fermez mes oreilles. Bien. Tu ne vois pas être dans mon combat. Tu vois pas comment il tourne ses reins là Adama. Coupe ta cam, mon gok. Plein de choses. Merci pour les points. J'ai reçu 4. Faut laisser, il va mettre sa caméra. Lui, il aime ça. Ah, lui, il aime ça. Tu bois quoi encore pour aller tuer les filles là? Il dit que c'est du thé, non? Tisane. C'est ma tisane. C'est trop fort. Voilà, tu vois? Tu vois ça? Il faut goûter pour savoir. Waka, est-ce que tu as vu? Ça c'est la tisane pour moi, ça c'est pas pour la tisane. Il va tuer encore les gens. J'ai des clients qui me veulent dire beaucoup. Allô, tu dis? Tu vois, les dépôts de nourriture, la tchèque, de manioc, de blé, les dépôts que ça laisse dans la vessie, et puis comment on appelle? Atoté. Non, hein. Pour lui, là, c'est pas atoté. Atoté, là, c'est un calmant. Atoté, c'est un calmant. Ça ne guérit pas. Moi, ma tisane, ça te guérit. Non. Atoté, c'est un aphrodisiaque. Oui, il y a des aphrodisiaques qui calment. Il y a des aphrodisiaques qui guérissent la maladie. Ou bien qui guérissent le problème, au fait. Comprends. Josie, bonsoir. Josie, la belle voix, mon combat. Italien, Topo dit à Teto, va faire banque. On dit à Toté. Lui, il dit à Teto. Moi, quand j'ai essayé ça la première fois, ça m'a constipé. Quoi, à Toté? Ça m'a donné constipation. Abdoul, à Toté même, je sais c'est quoi, c'est aphrodisiaque, mais c'est comment? C'est le liquide, c'est un liquide, c'est comment? C'est un liquide, on boit, c'est de l'eau. À la base, c'est un tisane préparé. À Toté, là, c'est pas. Bon, il a des effets aphrodisiaques, mais à la base. Oui, il faut monter ou bien? Ben, c'est juste pour l'endurance. À Toté, c'est pour l'endurance. C'est pour l'endurance, c'est bon. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. À Toté, ne guérit pas l'éjaculation précoce. Oui, c'est vrai. À Toté, ne guérit pas l'éjaculation précoce. Non. Et puis, c'est des. On dit, il était constipé à un moment. C'est des aphrodisiaques auxquels, quand tu es trop habitué, et puis c'est ça qui doit prendre pour toucher la femme. Quand tu ne vas pas trouver, tu vas toucher la femme, là, tu ne peux rien donner. Une heure de marche au salon, tu t'assois pas, tu fais tout dans le salon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que ça se fait à Korogo. Et que le vrai là, il est vraiment puissant. Mais comme les gens ont tellement mélangé, les gens ont tellement aussi fait des faux. Donc voilà, sinon le vrai là, on dit il est puissant. Hein. C'est la même personne qui a fait la paix. Il y a Atoté, il y a la paix. Hein? Bois, tu dis quoi? Il a fait Atoté, il a aussi fait la paix. Je confirme ce que tu dis là. Voilà. Nzinga dit, est-ce que c'est lui le sujet ce soir? Mais envoie un sujet, Nzinga. Non, oncle Picsou, je ne suis pas spécialiste en atoté. Moi, je suis un zombalogue. Tu es quoi? Je suis un zombalogue. C'est quoi ça encore? Le zorba, c'est la bite. Yeah! Bon, quand tu viens sur ma page WhatsApp, c'est le nom que tu vas voir. Parce que je ne parle que 100% du sport et des conseils sur... Aïe!
Mais qui a signé le direct là? Tiens! Attendez, je vais vous prendre la capture. C'est pas pour vous signaler? Ouais, yeah. C'est pas peut-être les expressions là. Ah oui. Merci. J'ai, vous voyez, j'ai comment on appelle ça? Appuyer. Appuyer, c'est quoi? J'oublie toujours le nom appuyer. Contester. J'ai contesté, je vais voir s'ils vont accepter ce que j'ai contesté. Tapoter sur le live, ça va faire passer. Mais on t'a signalé par rapport à quel. Mais qui sait? J'ai quand même contesté, je vais voir. Attendez seulement, je vais prendre ça aussi. Je vais voir si ils vont accepter ou pas. Non. TikTok maintenant a des farces, hein? C'est quoi? Même Facebook ne nous faisait pas ça. Franchement. Le live, il y a la restriction par rapport aux vues et tout, l'audience. Mais c'est quoi? TikTok aussi a des farces. Non, mais l'autre fois, c'était juste la photo de mes pieds. Facebook a envoyé une restriction. Il avait. C'est plus de temps. Est-ce que c'est pas à cause de. Peut-être d'être torse nu au début, là, peut-être. Non, 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 regarde. Hier, le jour où j'ai fait. C'était hier, j'ai fait le thème des trucs, non? Ils ont signalé, mais j'ai continué quand même parce qu'ils ont accepté la restriction. Comment il s'appelle? C'est Odier et puis. Comment il s'appelle? Mais ils n'aiment pas aussi voir aussi les gens. Torse nu aussi, hein, ils n'aiment pas. Qu'est-ce que je peux? Tapotez le direct, s'il vous plaît. TikTok a trop de face maintenant. Dès que tu lances un direct, on dit restriction. 1, 2, 3, on dit assez. Ils ont trop de face. C'est pour cela que Vige même a coupé son direct aujourd'hui. À un moment donné, après, elle a relancé. Parce qu'on l'a signalé. Franchement. T'es quoi? Oh, les commentaires là. Un good live, vraiment. Oh, tapotez le direct. Comme c'est dans la nuit, j'ai pas coupé pour relancer. C'est dans la nuit, c'est juste une cause. Si c'était dans la journée, j'allais attendre qu'on me réponde, qu'ils acceptent ou pas, j'allais couper et relancer. Et dans mon combat, ils sont en train de coudre la manche d'Abdoul. La manche d'Abdoul, comment ça? J'ai pas compris. Qui coupe sa manche? Et puis c'est pour ne pas me donner des points. Dans les trucs là? Dans les commentaires? Dans les commentaires, ils sont en train de coudre sa manche maintenant. Ah, d'accord. TikTok a des farces de. Tapoter ou pardonner, tapoter dans les commentaires. Tu vois, est-ce que nous on peut tapoter ici? Non, 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 quand tu es là, il paraît que c'est pas bon de tapoter. Non, pardonner ou. Sinon, on va descendre pour tapoter ici, c'est ça là. Attends, je vais voir si. Tu vois, bois. Tu vois comment on est? On aime où il y a pas là, où il y a un jour, il y a méchanceté là. Tu vois, tu es en train de djinzer quelqu'un tout de suite là. Tu vois, on va monter à 800 personnes tout de suite. Tu sais, elle commence à djinzer quelqu'un. Elle nous fait descendre, puis elle commence à djinzer. Mais c'est comme là, ça, les lives. Quand c'est le guéret, ça monte beaucoup. On aime toutes les mauvaises choses. C'est vrai qu'il se fait tard aussi et tout. Mais quand c'est le guéret, tu vois, quand je faisais écouter, sans parler, hein, je faisais écouter ce que je faisais écouter tout à l'heure. On est monté à 400. Non, pardon. Après, là, il faut mettre encore. J'ai pas écouté. Et Waka? Non, elle dit enrichir. Ah, le live n'est pas en pour toi. Oui, ils ont la restriction. Ça veut dire qu'ils ont restreint ben la visibilité, c'est ça? Sûrement, ils n'ont pas accepté parce que je n'ai pas reçu de notification disant qu'ils ont accepté ou pas. Et c'est quoi? Oh, vous aimez ça? On dit tabaco, mais personne n'a fumé? Est-ce que ce n'est pas quand Abdoul est en train de boire? Parce que des fois, ils n'aiment pas trop ça. Hein? Non. Non, quand quelqu'un boit devant le direct. Ouais, déjà, là, il n'aime pas aussi voir que les gens sont torse nu. Déjà, le gars, il vient en torse nu. Après, il montre son bangalous, tout et tout là. Non, le bangalous là, ça trouvait que ils avaient quand il s'est mis, il était en culotte, j'ai enlevé, ça trouvait que j'avais reçu la restriction et j'avais montré et tout. Non. J'avais mec, écoute ça quand même. Yeah.
Et c'est garçon qui arrive. Attendez, je vais voir sur l'autre téléphone là. Je pense pas qu'ils ont accepté. Je ne pense pas. Non, c'est pas possible. En tout cas, Abdul cherche une femme. Hein. Abdul cherche une femme hein, de 28 à 35 ans. Pour les femmes qui sont intéressées, qui sont célibataires. Hein. Vous l'achevez, non? L'achevez comment? Après, c'est quoi la même là? Il dit là. Gormov ou bien quoi là? Il dit là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais il prend les atouts et tout ça, non? Ah, ok. Mais il dit que. Bon, il dit qu'il prend pas atouts et non. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit. Vraiment, c'est les maudits de TikTok. C'est quoi? Ils n'ont pas accepté, je pense pas. On dit. Tu peux pas aller avec une agence. Par contre, quand tu es avec une agence, quand tu as des restrictions comme ça et tout, l'agence qui a accès à ton compte va enlever les restrictions tout de suite. Mais j'ai pas trop envie d'être avec une agence. C'est payant? On sait jamais. Non, 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 c'est pas payant. L'agence règle ça avec TikTok en fait. D'accord. Where is the car? My best friend. Where is the car? You didn't give it to me though. They're right now on house. Where? Oh, okay, thank you. This is you. Hey, Waka? Oui. You can't stop it your direct. What? You can't stop it your direct. And what? Your life. And do what? Pour, en fait, tu vas couper. Non, mais il faut terminer là. Il faut terminer là. Tu as commencé à terminer. On va voir là. You stop it, your life, and you revenir après. Voilà, merci. Je suis en train de voir un peu. Check my account. Ok, attends, je vais check. Peut-être que c'est ici, on check. Si les restrictions là sont... Non, TikTok sait que les gens là sont... Les personnes là sont des agences, voilà, sur TikTok, comme par exemple Biscuit Russe, Pitchounette, elles ont aussi des agences et tout. Tu peux aller avec, quand on compte... Même Serge Tano disait l'autre fois qu'il a une agence. Il est avec quelqu'un. Mais moi, vu que je suis anonyme, je me méfie, je préfère ne pas aller avec une agence, quoi. Je vais rester comme ça. Parce que mais tu sais pas jusqu'où. Bon, je ne sais pas jusqu'où. Mais la personne doit avoir accès à ton compte pour pouvoir régler quand on te signale toutes les petites choses qui peuvent exister pour ne même pas que tu... Ton compte ne va jamais sauter aussi. Ah. On va pas te bannir, oui, oui. Donc, les agences... Parce que les agences travaillent avec les comment on appelle? TikTok. Donc, l'agence est payée sur pourcentage de tes cadeaux que tu reçois. Ah, est-ce que tu es sûr? Bon, je n'ai pas... Attends, cette partie, je vais demander à Edwige, parce que je sais qu'il paraît qu'il y a des agences qui demandent à ce que tu fasses des matchs. Tout le temps, tu dois faire des matchs. Pas tout le temps, mais au moins combien de fois, si c'est 3 fois, 4 fois, au moins un petit minimum que tu dois jouer des matchs, même si c'est les petits matchs. Mais maintenant, dire que les cadeaux que tu reçois, peut-être TikTok prend directement dedans et donne à ton agence, peut-être, ça, je sais pas. Il faut que je demande cette partie à Wish. Waka, c'est TikTok qui paye ton truc, comment on appelle ça? L'agence. Mais il faut que tu l'agence que tu travailles avec TikTok directement. Donc, comme c'est la nuit, il ne faut pas qu'on coupe. Même si la visibilité est restreinte, ce n'est pas grave. C'est la nuit, on est là pour... Je ne sais pas si tu te rappelles, là, une fois, il y a la monitrice qui a fait venir une dame de l'agence. Une dame, exactement. Oui, oui, voilà. Oui. Elle a bien signifié ça. Mais la restriction n'est pas encore levée, ouais. Non. Mais ils n'ont pas dit quoi, on doit faire quoi pour pouvoir, je sais pas. Non, ils disent pas, ils disent rien. Bon, on va continuer à tapoter
Et puis on va toujours continuer à écrire Good Life. C'est tout. Et puis voilà. Vous savez, le soir, souvent je l'en trouve. Bonsoir, Stilby. Comment vas-tu, ma mère? Ça va. Ben oui. Et en même temps, je monte hyper fatiguée, quoi, parce que là, j'ai un peu sommeil. N'est-ce pas? Toute la journée. Bon, c'est vrai que la toile n'était pas mouvementée quand même, mais Edwige, j'étais en direct. Ouais. J'ai fait un tour là-bas. Ellie, comment vas-tu, Ellie? Coucou, Ellie. Comment vas-tu, ma belle? J'espère que tu vas bien. Ou non, Ellie n'est pas une femme, je sais pas. Comment vas-tu, Ellie? Je sais pas si c'est une femme ou un homme. Avec le nom, je peux pas. Comme j'ai dit, ma belle, c'est pour cela que je dis que. Eh, mais TikTok Univers, quittez maintenant notre route. Je vais cliquer ici pour voir la visibilité. Oui, c'est comme non, ça, je dois cliquer seulement. Je ne peux pas cliquer parce que là où ça passe, c'est à droite. Je dois cliquer pour voir là où j'ai été restreinte. Laissez-moi cliquer. Ah, finalement, c'est fini. On peut envoyer les univers comme ça. Adama. Adama. Qui va bombarder l'univers pour la Wakatolo TV. Pourquoi les univers passent sous nos yeux, la maison quoi. Ah. Bibou, comment vas-tu, ma Bibou? J'espère que tu vas bien. Je vais bien, ma chérie, notre rédactrice en chef de notre TMZ Wakati. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Après l'histoire de Série D, là, tout est calme. Ouais. Oui, il y a quoi? Waka. Oui. Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait matin? Bon, je suis tombée sur son direct, je me suis réveillée, elle était déjà en direct. Tu sais le décalage horaire. Je suis ton panel. Non. J'ai pas vu. Il paraît. Bon, on m'a même pas le show. J'étais dans les commentaires chez elle, les gens disaient qu'elle a chanté, c'est tout ce que j'ai entendu, quoi. Ah, Abdul est parti. Ah, Abdul est parti, hein. Tu es venu boire à côté où je ne sais pas, tisane. On a restreint ma visibilité et puis capable. Prochainement, si c'est pas pour danser, je te mets pas un grand, hein. Parce que c'est ce qu'on a dit. C'est là, ils ont restreint la visibilité. Ils ont dit quoi? Abdul, faut pas, je vais te faire monter, faut pas mettre ta caméra haut. Non, je pense que TikTok pense qu'il y a une personne qui boit ou qui fume. Ah, ben voilà. Il avait son petit verre, il buvait. Ben oui, c'est ça. TikTok ne peut pas savoir si c'est juste boire ou non. Non, c'est pas un îlot. Si c'est, voilà. Non, en fait, dès qu'il te voit soulever ta main pour aller vers ta bouche, ils pensent que soit tu fumes, mais je sais pas moi. À chaque fois, ils font ça. Exactement. Donc, mais normalement, c'est lui qui devait être restreint, pas moi. Je comprends pas. Parce que c'est lui qui a fumé, c'est pas mon compte. Ça m'a infligé ça. Pourtant, c'est pas moi. Même quand on danse ici, parfois, TikTok dit, descend-elle. Je descends la personne, après la personne remonte et tout. Mais ça, bon, ça ne signale pas le compte. On dit seulement à la personne qui fait le direct de descendre la personne, après la personne remonte. Mais souvent, si c'est toi qui fume ou c'est toi qui bois dans le direct de quelqu'un, c'est toi, TikTok, attaque pas la personne qui fait le direct. Mais je comprends pas. Toi, Kakadé, là, laisse-moi tranquille. Non, Waka, ils sont fatigués de voir tes pieds. C'est pour ça qu'ils sont en train de bloquer. On dit de montrer ton visage maintenant. Franchement. Oui. Quand toi, vu tes pieds. Il dit, Kakadé, là, il dit que moi, il parle en soum-soum comme Annie Love. Je n'aime pas ça, hein. À moi, là, Abdul, toi aussi, tu aimes une foule. Voilà les retombées. Il dit que. Et toi qui es venu me yuruku un coup. C'est quoi ça? Yuruku sage. Oh, TikTok n'est pas bon. Hein? J'essaye même de voir la restriction, comment ça se passe sur le compte. Je n'arrive pas à voir. Avec l'autre téléphone et tout. Ben Waka, au pire des cas, tu peux couper puis relancer ou bien? Voilà, c'est tout.
Ouais, tu coupes et puis tu relances. Mais c'est la nuit, c'est pas pour seulement aussi, hein. Il y a pas, c'est pas un sujet. Coucou, Ailey, comment vas-tu? 009. La Camerounaise, après, c'est tout, hein. Elle fait 3000 vues, hein. Putain, 3500, 4000. Aujourd'hui, mon touché. Aujourd'hui, elle dit ça. Avec son enfant. Son enfant, bon, je suis venue quand elle finissait juste de se présenter. Je pense que son enfant, elle a dit que l'enfant a 20, si c'est 23 ans, ouais, ou 19 ans, je sais plus. Mais l'enfant est grand, mais l'enfant ne peut rien faire, l'enfant ne voit pas, l'enfant, je dis waouh. Ouais, il marche pas, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est une fille, non? Oui, j'ai vu ça, j'ai dit ouais. Donc, j'ai vu la première personne qui s'est présentée, après j'ai reçu un appel, je suis partie, je suis revenue, j'ai vu la dame qui avait son enfant. Attends, je vais voir. Ok, la dame est toujours dans la compétition. Elle a toujours 3600, hein? Bon, ce soir, on parle de Nice. Diane, elle a deux places. 130 000 pièces. Il y a un gars qui a 160 000 pièces et un autre gars qui a 175 000 pièces. C'est spécial handicap pour les handicapés ou quoi, là? Ah, ouais. Voilà, justement, je voulais te poser une question, Waka. Tu te rappelles du jeune qui a passé sur ton panel ici jusqu'à il y a eu cotisation de je crois, plus d'un million pour lui, là? Est-ce que c'est lui qui devait se faire opérer, là. Celui qui devait se faire opérer. Chine, on devait... En tout cas, si on l'opérait avec les machines, là, les machines étaient infectées ou quelque chose comme ça, que donc ça n'allait pas être bon pour lui et tout. Il fallait avoir un moyen pour désinfecter les machines, pour faire ci et ça, et puis pour que l'opération se passe. Mais depuis là... Junior, il s'appelle. Il faut que je puisse l'écrire pour voir franchement si finalement... parce qu'on avait cotisé plus que ce que l'opération coûtait. Il a eu plus que ce que l'opération coûtait. Donc, je vais l'écrire. Normalement, lui, même s'il est de très bonne foi, il peut rentrer en contact, que ce soit Serge ou moi ou Tina, ou écrire à Tina. Même à Cindy. Voilà, il peut rentrer en contact et puis il dit voilà ce qui se passe. Mais peut-être qu'il a une opération, peut-être rééducation. Bon, je sais pas. Non, la dernière fois, il a dit que l'opération n'était pas possible parce qu'il fallait que les machines étaient infectées. Donc après ça, on n'a pas de nouvelles de lui. S'ils ont retardé ça, là, ça, son pied là, franchement. Mais son pied là a déjà été retardé, ça fait 3 ans. Eh, Seigneur, 3 ans. Ça fait 3 ans, oui. Ça fait longtemps qu'il se prend ça. Donc, il nous a dit que dès que l'argent allait être disponible, il devait juste faire le versement et puis on allait l'opérer. Maintenant, il est venu un junior pour dire voilà, comme ça, mais. Parce qu'il m'a déjà écrit. Ah, d'accord. Il m'a déjà écrit. Attends, même, je vois quand est-ce que Junior m'a écrit. Avec le téléphone, je peux. Mais la dernière fois, il est monté sur le panel de Serge, non? Il est allé un peu. On n'a pas eu de suite. Voilà. Donc, voici. La dernière fois. Logiquement, c'est l'argent qui causait problème. À partir du moment où l'argent est réuni, donc on devrait pouvoir régler le problème. Je sais pas. Non, mais Evan le dit là. Voici, il m'a écrit le Serge. Le petit, il a eu peur de l'opération. Hein? Il a peur maintenant pour qu'elle a fait cotiser les gens. Ah. Il a eu peur de l'opération. Qui a dit ça? Style a écrit. Il a dit ça où? Qu'il a eu peur de l'opération. Ah, Style. Oui. Il paraît qu'il a eu peur de l'opération. Mais il va avoir peur, mais pour qu'il cherche l'argent. Mais cherche l'argent pour l'opération. Ah, mais s'il n'a pas fait l'opération. Ah, je l'ai entendu ça. J'ai entendu ça chez Serge. Bon, moi, la partie que j'ai entendue, je pense que les machines là étaient infectées ou quoi là. Il fallait trouver une. Voilà, c'est ce que moi aussi j'ai entendu. Voilà. Donc, Junior m'a écrit le 16. Quand des anonymes comme ça, Non, il y a un mois. Parce que le 16, aujourd'hui, c'est le 15 ou le 16, un mois. Voilà. Quand des anonymes comme ça se dépensent pour te donner quelque chose comme ça, maintenant, un retour là serait bon. C'est clair. Un retour pour informer l'opinion publique là serait bon aussi.
Ça laisse, donc, bon, ça laisse même encourager les gens avec l'avancée de l'opération de l'aider encore plus. Ben oui, ben oui. Bonsoir la famille, vous allez bien? Bonsoir, c'est dit. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Ouais, Sidi, la nuit, faut pas nous bombarder, s'il te plaît. Bonsoir, petit Sidi. Ah, mais. Sidi. Non, toi, t'as chauffé mon cœur matin. Il dit que je voulais monter. Je voulais monter. Il est parti déjà. Il y a un jour qu'il est déjà parti. Waka, il s'est retrouvé seul avec Edwige. De toute façon, il a chauffé mon cœur. J'ai dit, je voulais monter. Je vais le dire demain. Je vais voir qui va répondre. Maman, Edo, mais moi, je t'ai fait monter. C'est vrai, tu n'as pas vu ça. Je t'ai fait monter. Tu as vu, il a commencé ses mensonges là encore. Sérieux, t'as fait monter. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Edo? Raconte quand c'est dormi. J'ai dit, c'est pas fait. Quand c'est dormi, Edwige m'appelait de. Elle voulait monter. Donc, je me suis réveillé juste pour cliquer pour faire monter Edwige. Je me suis recouché. Voilà. Après, tu as dormi. Mm-hmm. Et puis, il a commencé ces histoires-là. Qu'il vous racontait. Et puis, tout le monde est parti pour le laisser là. Il continue. Edwige aussi, je ne sais pas si elle comprenait ce qu'il disait. Ou bien elle jouait son jeu aussi. Mais il faut l'avoir en train de renchérir, lui. Et puis, elle renchérissait un peu. Elle-même, la mienne. Elle renchérissait. Puis, elle allait chercher une chanson où on parle de Aline. Elle a cherché une chanson concernant une Aline. Elle a mis ça. J'ai dit dans les commentaires, ça rigolait. Non, elle est faute, elle celle-là. En tout cas, elle avait le chaud. Tu dormais ou niawa. En tout cas, tu dormais. Elle tient un problème là seulement. Elle laisse pas. Hein? Elle a mis tout laisser Aline. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Aline. Oui, c'est une chanson française. C'est un français qui chante. Aline, c'est fini. C'était proposé par la chose de Gaga. Renard Regan. Hein? Toi, on ne va pas te voir sur les yeux. Ouais, ça va pas. Il a dit bonsoir. Bonsoir, mais il y a rien qui ne croit pas. Ashley, il faut montrer. Tu chantes bien. J'ai vu que tu chantes bien là. Ashley avait chanté hier. I mean, ce matin. Non, Eunice. C'est Eunice. Elle chante bien, Eunice. Oui, moi aussi, je chante très bien. Moi, j'ai une très belle voix. Eunice, il faut montrer, tu veux un peu chanter. Si tu chantes, on écoute. Vous voulez que je chante en anglais, en espagnol, en français ou en maoka? Ce que tu sais que tu es fort dedans, là, c'est ce qu'on veut. Embêté. Hi, boss maman. Comment vas-tu, ma belle? Chante, José. Tout laisse. Eunice est montée hier? Non, hein. On dit le peuple réclame une chanson de Rolly. Attendez, on va écouter Sidi d'abord. Sidi, toi, on commence par Sidi d'abord parce que Rolly va chanter, là, il va pleuvoir. Maintenant, on va voir Sidi va chanter. Waka, oui, la neige va descendre. Waka, ou le sol. Waka, je n'aime pas ça. Je vous préviens en même temps, Rolly. Quand Sidi va commencer à chanter, là, accrochez-vous oui. Bien. Hein. Sidi, on va écouter Sidi d'abord. Sidi, attends même. Bibou dit, elle va chanter en commentaire. Eunice n'a qu'à monter d'abord. Sidi est rentré à la Wakatola. Elle me sent comme ça. Mais Doyi qui nous a mis là, c'est comme s'il était là il y a très longtemps. Et puis Waka, il est dans sa logique. Hein. Mais Eunice, monte. Ce qui nous a montré le matin. Tu vois, il y a un peu un truc. Ce qu'il nous a montré le matin. Waka, il faut te monter. Eunice, s'il te plaît. Eunice, est-ce que Eunice. Je m'arrête. Je demande. Moqueuse là. Corolle, il faut. Ah ben voici Eunice. Tu as été restreinte la nuit. Oui, on demande si tu es dans le sachet ou ouais. C'est pas grave. Non, ça fait ça. Tu vois, après, c'est vous avez tué ici là. L'écran est trop flou. Oui, mais ça fait ça. Chiff, pas tout, ma pas chérie. Flou, on le voit. Tu es où, mais pas tout, faut monter. On le voit. C'est pas fou. C'est fait. Je vais te dire. Tu n'es pas bien dans les commentaires des. Tchao. Really? On t'écoute. Non mais je suis en pleine répétition et puis les gens sont en train de me distraire. On dit qu'il est dans sa chaîne bleu ciel. Non, on pense. Non, je n'ai pas de fans ici ou bien. Applaudissez.
Ah oui, oui, applaudissez. Pour encourager. Fidi, 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 Fidi. Vous avez dit une chanson en Maoka. Hein. D'accord, vas-y. Pas question. C'est en Maoka, non? Oui, vas-y. Ah, mais vous devez répondre. Hein. Comment? Moi, c'est toi seul qui dois chanter d'abord. Non. quand je dis chante, on ne répond pas. Oui, mais on te laisse chanter d'abord. Cœur d'or, ah, Cœur d'or est là. Hein. Ah, c'est la marraine de notre, pas Wakatolok TV, hein. Notre télé. C'est la marraine de notre télé. C'est une des mères. Non, pas marraine. J'aime pas trop le mot marraine. Mère, la mère. La mère, c'est plus chic. Maman, c'est en espagnol. C'est espagnol, ça. Ok. Voilà. Moïse, c'est un agneau, Naléo. Fiali, maman. Oui, comment la voix est belle, non? Voilà. C'est pas... Mais non, on sait pas chanter. On sait pas à quel moment dire ça. Mieux, tu chantes seul d'abord. On voit. Ah, t'as vu, non, ça veut pas en commenter. Fiali, maman. Fia li mama et moi tout ragnon aléo. Fia li mama. Voilà, moi c'est un ragnon aléo. Fia li mama. Gadia miye, manja miye. Fia li mama. Gadia laye kiti banao. Fia li mama. Gadia miye, manga o lao. Fia li mama. Manja miye, robo la loyo. Vous êtes de très bons choristes. En fait, la chanson que j'ai composée, je vous ai dit qu'on était dans l'avion. J'ai fait 3 semaines dans l'avion à cause des embouteillages. La chanson dit ceci. Elle dit, quand tu arrives quelque part, maintenant je vous donne la traduction. Et que je fasse quelque part. On dit que tu nous insultes. Tu nous insultes. Non, vous aussi. C'est faux. C'est Jules à toi-même. Bon, vous voyez. Il faut nous expliquer, il dit quoi? Voilà. Il dit quoi? Il dit quoi? Non. La chanson dit ceci. Quand tu arrives dans un endroit, tu arrives à l'aventure, par exemple, tu rencontres des gens. Ok. Bon, moi, je peux? Oui, tu attends, peux. Il va finir d'abord en français. Après toi, bon, même. Il finit en français. D'accord. Since you told me that you love me, I did everything you asked me. Now you're gone. With that done, I keep on wondering all alone. I keep on struggling on my own. And I'm staring to the rising sun. Yes, I am staring straight, waiting for the new dawn. Well done. And I wanted you to stay, but I was too proud to say it. Alpha de Bogwanu. I'm waiting for the day, for you to come across my way. Hey, you see too dire. Hey, you can hear that voice. On dit Alpha de Bogwanu. I keep the one mandarin. Oh, il a dit mandarin. I keep the mandarin. No. Tell me, I keep what? I said that I keep wondering. Ah, wondering. Yeah. Narin. Il a dit Narin. En tout cas, il faut applaudir. Attendez. Non, mais... yeah! Bravo. Dieu mets en nous. Canada, là-bas, il fait chaud là-bas en ce moment. Actuellement, il fait chaud. Nous, actuellement, il fait chaud. Ça va. Tu restes. Vous êtes à 3 degrés. Oui. Il fait chaud, mais vous êtes à 3 degrés. Oui, oui. 3 degrés, il fait chaud. Oui. Tu vois pas comment j'ai habillé? Waouh. C'est une chaleur glaciale, en fait. Votre pays, là, franchement. Ouais, la chaleur est un peu glaciale. Bon, Azim, c'est bon, vous allez voir les photos sur la toile. Ah, Dieu. Et puis, il est serein hein, quand il dit ça. Je te dis que... Non, mais c'est la vérité. 3 degrés, il fait chaud quoi. Je te promets, tu vois pas comment je suis habillé. Ah, c'est la chaleur glaciale. Si c'est un jus toi-même. Non, mais c'est la chaleur qui. Vous voyez pas qu'il y a une fonte de vapeur. Ok, vous avez dit que Eunice n'a qu'à monter. Rolly, c'est toi qui dis que Eunice sait chanter, c'est ça? Oui, oui, je l'ai vu en tout cas sur son truc là-bas, sur ça. Je suis allé voir sur son profil. Ah, ok.
Ah, tu l'as pas entendu chanter, c'est toi, tu as vu son prof. Dieu merci, il y a quelqu'un qui confirme en commentaire. Il y a quelqu'un qui a confirmé en commentaire. Il peut dire que moi, il ne ment pas. Quand moi, il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Coucou, Eunice. Bonsoir, maman Waka. Comment vas-tu, ça va? Ça va très bien. Ok. Ah, je suis contente aujourd'hui que je suis montée sur votre panneau. Trop caméra, hein. Donc, Eunice, c'est pareil que tu sais chanter? Ouais, je me débrouille pas mal, en tout cas. Ah, qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Ben, je sais pas, tout ce que vous voulez. Si je connais, en tout cas, je vais chanter. Ce que tu penses que tu peux chanter, en fait? De la voix un peu cassée, mais bon. Dans tous les cas, il faut élever le niveau, parce que moi, j'ai mis la barre très haute, hein. Moi, mais ici, en bas de ça, même. Tu as levé même le niveau, mais j'ai honte de chanter. Et allez, ça fait où? Oh. Vas-y, Eunice, hein. Vas-y. Mais comme c'est la star en ce moment qui est à la page, je vais mettre sa chanson en fond sonore et puis je vais chanter là-dessus. Ah, c'est ok, tout. Tu parles de José? Oui, oui. Bon, ouais, toujours. Non, Jean, tu as fait semi-live, quoi. C'est que tu as triché. Laisse-moi, j'ai fait semi-live. Moi, je n'ai pas triché. C'est parce que je ne connais pas bien la chanson. Il faut que la chanson soit là pour que j'ai un repère, en fait. Moi, j'ai fait à Capilla. Hein. Ha, il ne m'appelle pas à Capilla. Mais toi, c'est la chanson que toi-même tu écris. Donc, c'est facile, oh. La chanson, c'est parce que c'était tellement sûr que tu n'as pas reconnu la chanson. Laisse mon artiste, s'il vous plaît. Laisse mon artiste. Voilà. Mais c'était tellement dosé que tu n'as pas reconnu la chanson. C'est ça. Bon, je vais m'essayer. Vas-y. Et une fin, attends-tu toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout. Fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu sens plus l'odeur de son agent. L'employé préféré du boss a baillé en la bras. Tu te mettais bien, tu te croyais incontournable. Ah, c'est bizarre, toi qui comptais les milliards, tu étais toujours un payeur. Toi que tu laisses, non, tu laisses. Voilà, ça t'a laissé d'être, tu laisses. Toi que tu laisses, non, tu laisses. Tous les, voilà, ça t'a laissé chauffer. J'espère qu'elle va laisser bientôt. Ouais, mais tu vas pas prendre une chanson que toi-même tu connais, même tu maîtrises bien, ouais. Voilà, maintenant fais la bon. Bravo. Bravo, en tout cas, tu chantes bien. J'ai dit, hein, après l'édition de la danse challenge qui va se passer le 3 août. Après ça, ça sera 10 jours après ça, le week-end, peut-être, ou le week-end qui va se suivre, on va faire le concours de chant, parce que c'est là-bas, les Josie et autres sont fortes et tout. Je vais faire les flyers, mais pas maintenant, comme on a notre danse. Featuring, je vais faire featuring avec Dennis. Avec qui? Non, elle va maintenant faire une chanson. Quelle maîtrise. Là, on va bien écouter sa voix. Hein, Eunice? Ouais, Binich, je n'ai pas de problème. Si tu vas avoir du rumba. Le jour où, si c'est aujourd'hui, tu veux t'amuser, tu montes. Sinon, le jour où il y a concours, si tu veux chanter une chanson traditionnelle, il n'y a pas de problème. Tu pourras chanter. J'avais Binich, même... Binich, monte. Non, elle n'a qu'à monter. Elle va oui, nous Binich, faire, si tu veux monter tout à l'heure pour t'amuser, vu qu'on est là, on papote, il n'y a pas de problème. Hein. Tu fais ta demande, je te fais monter. Si tu veux chanter une chanson traditionnelle, il n'y a pas de problème. Hein. Tu dis, on n'a pas peut-être un nom. Dis-le à tous mes fans. Oui, quand j'ai envie de chanter une chanson de Kif Nobi. Il n'y a pas de problème, Abdou. Abdou. Mais Abdou, tu as bien, non? Avant que je te il faut pas faire une autre chanson. Abdou n'a qu'à chanter le temps. Quand tu veux chanter Kif Nobi. Abdou va chanter le temps que je réfléchisse à une chanson. D'accord, ok. Ok. Mon artiste, hein? Oh. C'est-à-dire qu'elle va vous défaire un à un ici. Le concours de chant, là, ça va être une réussite aussi. Hein. Ça va être à la caméra comme la danse. Et puis... effectivement. Après Abdoul, là, c'est moi. La faute donnée, on va partager au maximum, quoi. Si. Mais c'est le je vais contacter Queen d'abord pour... Et puis le 12 aussi. Attends, je vais voir. C'est le 12. Attendez, je vais checker. Le 12, nous avons... Tâche et qui commente. Comment il s'appelle? Amancio m'a dit de faire monter
à une date, il avait dit le 3, mais le 3 ne nous arrange pas, on a parlé inbox. On s'est entendu sur le 12. Attendez, je vérifie mes messages. Binich, il faut monter. Le 12, là, on les personnes qui tapotent le plus et qui partagent le plus, en tout cas les commentateurs qui sont très très connus à la Wakatolog TV, oui, le 12 août, vont monter. Le 12 août même, il m'a donné le 12 août. Je n'ai pas vérifié avant de dire oui. Si ça tombe sur un lundi, sur un mardi, attendez, je vérifie. Donc, les personnes là vont monter. Les personnes là n'ont pas besoin de parler. Parce que vous savez, il y a des commentateurs, des tapoteurs ou les partageurs qui ne parlent pas, qui veulent pas monter pour parler, qui veulent pas leur voix. Mais ce jour-là, les gens là vont monter juste, à moins que je vais mettre des baouins dans leur corps, hein. Et en même temps, on va faire une fête, pour ces personnes-là le jour-là. Donc là, le week-end, normalement, le week-end là, j'avais dit que j'allais faire un direct spécial, mais comme Amancio a envoyé, m'a dit qu'il va mettre, mais où est mon truc de calendrier? Voilà. Attendez, on va voir le 12. Eh, Amancio, le 12, c'est un lundi. Mais comment Amancio? Non. Je vais contacter Amancio. On va faire ça le 10. Samedi. Parce que le 12, c'est un lundi. En plein lundi? Non. Je vais contacter Amancio. On va faire ça le 10. Le 10, c'est un lundi. Non, c'est un samedi. Voilà. On va faire partageurs qui veulent pas, voilà, se faire voir, veulent pas qu'on reconnaisse leur voix. Et voilà. Hein? Mmh. Il y a déjà deux qui ont été choisis le jour où l'initiative a commencé. Trois personnes. Il y avait Bibou, Ashley, panel de Wakama. Abdoulo. Maintenant, les autres trois personnes. Abdoulo. Je pense que, à moi, je dis quelques. Voilà. Attends, Wakama. Attends, Wakama, vas-y. Oui, je dis pour cette première fois, il y a déjà eu panel de Wakamavi, il y a Ashley, il y a Bibou pour le moment. Quand l'initiative a été, quand on avait, c'était avant-hier qu'on a parlé de ça ici, je pense. Donc on va rester trois autres tapoteurs et partageurs. C'est pas moi, je vais pas choisir. Je vais pas choisir. On va laisser le point à Ashley, Bibou. Non, oui, bon. Truc m'a dit que Ashley, c'est ce qu'il m'a dit. Attends, en inbox, hein. Donc c'est pas moi qui choisis. Une autre fois, ce sera d'autres personnes, mais c'est Ashley, Bibou et Panel de Wakamavi. Ah, c'est les trois qui vont commencer d'abord. Ils vont commencer. Non, il y aura trois autres, mais moi je veux pas choisir. Mais l'initiative, quand on a commencé, les trois là étaient là déjà. Donc, comment si on m'a dit que Ashley va s'occuper de ça. Donc, voilà. Moi, les présidents et les présidentes des commentateurs vont s'occuper de ça. Donc, je ne veux pas qu'on dise que c'est Wakatolo qui a choisi et tout, non. C'est pas faux, c'est pas faux. Il y a quelqu'un qui a... Mais c'est la danse. Elle a déjà foulé même, ce jour-là. Oui. Donc, on a dit ça, c'est une fois dans le mois. Donc, c'est chaque premier samedi du mois qu'on fait ça. Donc, dès après ça, le 3, le 10, c'est la fête des commentateurs, partageurs et tapoteurs. En même temps, on va remercier les donateurs qui sont... des personnes qui ont un grand cœur et tout. Les tapoteurs qui ont monté. Le concours des chants, là, ça, c'est pour quand? Pas des hommes? Concours des hommes? Non. Chant, ouais, tu n'as pas dit que ça serait mixte? Oui, chant, là, je dis qu'on va attendre à ce que le concours de danse, là, qui a été, qui est déjà une fois dans le mois. I mean, oui, une fois dans le mois. Quand ça va passer, on va programmer pour chant. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 15 déjà, non? C'est ça. Aujourd'hui, c'est le 15. Bon, nous, on est déjà dans le 16. Hein. Le 16, voilà. Donc, ce sera le mois prochain aussi. On va programmer un jour après notre concours de danse. Tu as dit, Waka, ton calendrier est chargé. De... à ça, n'est-ce pas? Je peux chanter. Le gars va oublier les paroles de sa chanson. Laissez Morgan chanter. Va au bio. Ok, Abdoul, vas-y. Non, mais ce que Morgan est en train de dire, c'est important aussi. Elle est en train de donner des trucs qui vont se passer. Là, aïe, aïe, aïe. Les gens se préparent. Ah, ben tout. Viens voir. Viens voir. Les copines, maman, comment j'appelle? Si ça c'est clim, il y aura ton d'arou ou pas? Faut qu'avec la carapote, j'ai la cramba. J'ai du blanc, bébé, j'ai hâte, mon tout. Y'a jamais des calages dans ton bétou. Viens voir. J'aimerais que tu m'ouvres la porte. Il fait tellement froid dehors. J'ai déjà ma clope. Yeah. J'ai que du plaisir, ma bad girl. Yeah. Y'a celui qui a biron dans la caisse, ouais. Yeah. Tous les dents roulera jusqu'au matin. Il est temps que tu te mettes à quatre pattes.
Ouais, ouais. Dans le bleu, je suis celui que tu préfères. Faut que l'amour, je suis pervers. Abonne-toi à mon statut. On sera forcément d'accord. Viens voir. Viens voir. Après tout. Viens voir. Viens voir. Après tout. Attends, tu as commencé à chanter ou bien tu as la répétition? Oui, non, Siri, toi tu penses que tu étais trop juste quand tu dis si c'est répété. Siri, je ne connais pas les. Jusqu'à Siri même demande que si c'est répétition. Siri, donc toi tu as fait quoi?